Il est à peine 7h du matin, le soleil commence à se lever et dans les vignes, la machine à vendanger est au travail. Rangée après rangée, elle ramasse les grappes de raisin à toute vitesse. Elle va nous amener de la souplesse de travail, une rentabilité, on ne va pas se mentir. Hein. Moi aujourd'hui, il me faudrait à peu près sur l'exploitation 60-70 vendangeurs. C'est assez compliqué de trouver du monde, paradoxalement. Mais une vraie qualité qui nous permet vraiment d'être au plus proche de la maturité de chaque cépage. La machine a remplacé les vendangeurs et leurs sécateurs, mais pas seulement, elle est multitâche. Cette machine trie la vendange à la parcelle, c'est-à-dire qu'on va récolter les grappes de raisin, on va les égrapper, on va séparer les raisins des rafles, et ces rafles, on va les évacuer directement à la parcelle avec tout ce qui peut être déchets verts, morceaux de feuilles, petits morceaux de queue de feuilles et autres, pour n'avoir que des baies dans la benne. Il ne faut pas oublier qu'on est sur une plante pérenne, donc il faut absolument que la machine respecte la plante, parce que la plante, elle porte la récolte de demain. Installé ici à Gaillac depuis 30 ans, le viticulteur loue l'engin chaque année, avec chauffeur. C'est un expert, Jean-François, qui est au volant. Il connaît chaque parcelle des 45 hectares du domaine. J'ai un cadran où on m'indique le niveau du remplissage de la machine. Donc quand j'arrive, c'est des pourcentages. Quand on arrive à 100%, c'est que la machine est pleine. Donc il faut que une remorque vienne récupérer la vendange de la machine. Ça, c'est important quoi, d'avoir, de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un de confiance. Et on joue notre année là en quelques jours. Quoi, donc c'est pas le moment, moi, d'aller faire de la mécanique alors que j'ai des cuves qui sont en pleine fermentation. Quoi. Je vais considérer comme vendageur ou comme une équipe de vendageurs parce que c'est vrai que la machine va beaucoup plus vite qu'une équipe de vendageurs à la main. Il se passe en fait à peine 20 minutes entre le moment où le raisin est cueilli et celui où il se retrouve à la cave. Ces récoltes mécaniques ont accéléré le temps des vendanges.